Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous retrouve pour un vlog. Donc je vais vous montrer un peu mes journées. Donc là je vais faire un soin pour mes cheveux qui sont secs. Là je pense que ça se voit, ils sont hyper secs. Donc je vais faire un soin maison. Là je vais vous présenter directement quand je l'applique. Et je vais vous montrer également le résultat ensuite. Demain j'ai rendez-vous chez le dentiste parce que mes dents de sagesse ne peuvent pas pousser directement, donc il n'y a pas de place, il n'y a pas de place du tout, donc je vais devoir les retirer et du coup ça va être demain. J'ai trop peur, j'ai peur de plus pouvoir parler, ça va être hyper compliqué. Et également je commence un régime, donc je vais vous montrer. Du coup je vais faire mes pesées chaque semaine, on va dire ça va être tous les vendredis. Tous les vendredis ça va être pesé et du coup les détails de ce que je vais manger. On va faire ça en même temps, si on peut se soutenir c'est plutôt pas mal. Voilà, à toutes. Donc voilà ce que je mets. Donc je vais mettre un citron, je vais mettre un jaune d'œuf. Donc chez Aromazone je vais mettre un peu d'huile de ricin, un peu d'huile de moutarde et c'est tout je crois. Et voilà, donc voilà ce que je vais mettre. On peut également mettre de l'huile d'olive, il y a plusieurs choses aussi à pouvoir rajouter. Moi je vais faire un soin seulement avec ces produits là pour aujourd'hui. Alors c'est parti, on va mélanger. Donc voilà, j'ai mis mon jaune d'œuf. Ensuite je vais mettre un demi citron. Ensuite je mets de l'huile végétale de moutarde comme ça, et du coup tout le monde connaît les bienfaits de l'huile de ricin. Je mélange le tout. Alors on se retrouve dans ma salle de bain. Donc là je vais démêler avec le lisse. Donc c'est juste pour démêler mes cheveux. Ma brosse préférée. J'applique le soin au niveau des pointes et ensuite au niveau des longueurs. Voilà, donc je laisse reposer. Donc il n'y a vraiment plus rien. Il n'y a vraiment plus rien dans le bol. Donc moi j'ai juste en plus rajouté de l'huile de ricin au niveau de mes racines. Parce que à cause des hormones, je perds énormément mes cheveux. Donc voilà. Surtout, vous voyez ici, je perds énormément mes cheveux là en ce moment. Donc je vais laisser reposer jusqu'à bien tard. Donc là, il est environ 17h. Donc je vais laisser reposer, on va dire, 3h. Le temps que ça rentre bien dans le cuir chevelu et voilà. Donc là je vais juste faire ça, donc c'est pour les cheveux, c'est seulement une serviette à cheveux comme ça. Après vous pouvez utiliser directement une serviette. Alors moi je vais utiliser ça, je vais mettre de l'eau chaude. Alors du coup j'ai mis dans une poêle au dessus en fait, donc là j'ai mis la serviette ici et en dessous on retrouve du coup c'est l'eau. Ici j'ai mis la serviette pour que la vapeur puisse remonter et réchauffer la serviette. Et ensuite, je l'applique au niveau de mes cheveux. Voilà, à toutes. Alors, donc là, j'ai fait mon soin qui a dégouliné. J'attends que ma serviette soit prête pour pouvoir l'appliquer. Bah, en attendant, je vais me démaquiller, je vais faire un soin. Alors je vous ai présenté ça, je ne l'ai jamais encore appliqué au niveau
de mon visage. Donc on va le tester ensemble. Donc voilà, je laisse poser environ 10 minutes. Au niveau de l'odeur, je sens rien de spécial. Franchement, je sens rien. Je sais pas si c'est mon odorat. Je sais pas, je sens rien du tout. Après, quand on l'applique, ouais, c'est frais. Mais sinon, je sens rien du tout. Après, je vous ai pas raconté. J'ai eu le Covid. J'ai rattrapé encore le Covid. Du coup, c'est une deuxième fois pour moi que j'ai le Covid. J'étais énervée. Ne pas pouvoir m'approcher de bébé, c'était compliqué. Porter le masque H24, dormir avec le masque, c'était horrible, horrible. Franchement, j'en ai tellement marre de ce corona, j'en ai marre. Donc voilà, ouais, je l'ai rattrapé. Voilà. Donc voilà, j'ai oublié de vous le dire, ça c'est pour ça que je vous le dis. J'ai complètement oublié de vous le dire. On va voir où ça en est pour ma petite serviette que je vais mettre au niveau de ma tête. Donc là c'est prêt, ma serviette est bien chaude, je la retire et je vais l'appliquer au niveau de mes cheveux. Donc là on se retrouve, j'ai fait un soin. Un masque, et du coup là j'ai mis ma petite serviette bien chaude, très très chaude, pour ouvrir du coup le cheveu et pour que le soin rentre bien dans le cheveu. Donc dites-moi ensuite vous si vous testez ma méthode, si ça a bien fonctionné pour vous. Donc voilà, et du coup on se retrouve demain pour le résultat. Donc mon total de soins, désolé pour mon style. Donc voilà, c'est vraiment très moche. Vous allez croire que j'ai fait exprès jaune, genre pour faire stylé, mais en fait c'est hyper moche. Non, je sais que c'est moche, je sais que c'est moche, ne me dites pas que c'est moche, je le sais. Et j'ai pas fait exprès pour la couleur, c'était pas un style. Donc voilà, je laisse 10 minutes, j'attends bien que ça sèche. Je suis passée chez Fnac tout à l'heure, je vais vous montrer ce que j'ai acheté pour bébé. Des livres, et je trouve qu'ils sont vraiment pas mal. Chez Fnac, c'est vraiment le paradis des livres. Surtout pour bébé, j'aime trop regarder ça. Je suis restée longtemps à regarder des livres et tout. Il y a vraiment tout ce qu'on veut, n'importe quoi. J'ai acheté des livres pour dormir, des comptines, j'ai acheté plein de choses. J'aime trop ça. J'aime trop discuter avec bébé et ensuite lui lire des histoires et tout. J'aime trop ça, c'est une passion. Je suis en train de chercher un soin. Je vais mettre un soin pour les lèvres parce que mes lèvres sont hyper secs. Non, du coup, franchement, pour vous raconter un peu ma vie, ce qui est de mon congé maternité, j'ai eu que des problèmes. Après, c'était pas vraiment des gros problèmes, mais vraiment j'ai eu pas mal de maladies pendant ce congé maternité. J'ai eu du coup le Covid encore une fois. J'ai eu donc l'accouchement. J'ai eu mal aux dents. Donc voilà, mon mal de dents, une bouche énorme. Si je retrouve, je vais vous mettre une photo. Franchement, j'ai eu que des galères pendant cette période. J'espère que la reprise au travail, donc qui se fait bientôt, j'appréhende énormément. J'ai vraiment peur. J'ai de laisser en fait bébé
Je sais pas. En tout cas, ouais, je pense qu'on est beaucoup dans dans la même situation. On n'a pas envie d'aller travailler et de laisser notre petit et tout. Franchement, ça c'est dur. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Après, quand on rentrera du travail, on sera heureux de le retrouver. On n'a pas le choix. Donc voilà. Hein. Bon, je crois que je vais retirer le masque, je crois. Ça fait 10 minutes ou pas? Non, je vais bien attendre. Bon, à tout à l'heure. Du coup, c'est bon. Là, je vais enlever mon soin visage. Donc ouais, ça rafraîchit bien le visage, je trouve. C'est ouais. Ça rend le visage. Ça rend le visage beau, je trouve. Enfin, bien, bien soigné. Pas mal. Je trouve qu'il est pas mal comme soin. Il rafraîchit énormément le visage. Donc voilà pour mon soin. J'en ai. Donc quand j'ai essuyé le masque, j'en avais un peu au niveau de la lèvre. Et je peux vous dire que j'ai bien senti la menthe. Donc voilà. Après au niveau de l'odeur, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'odeur. Je sais pas si c'est moi qui a perdu l'odorat sans le savoir, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'odeur. Voilà. Donc là, je vais vous présenter ce que j'ai acheté tout à l'heure. J'ai également acheté le cuiseur à vapeur de chez Baby Move. Donc c'est bien, c'est pour moi. Donc pour acheter que des trucs pour les cuire à la vapeur et également des pots. Je vais vous présenter dans une autre vidéo. Si vous l'avez acheté, dites-le-moi en commentaire. Et j'ai l'impression qu'il est hyper bien. J'ai également demandé à des amis comment ils l'ont trouvé cette machine-là et ils m'ont dit que c'était top. Franchement, qu'elle était vraiment trop bien. Donc je vais vous faire une vidéo quand je la recevrai. Et je vous dirai également mon avis si ça vaut le coup ou non. Parce que c'est quand même un montant à mettre, mais après c'est un truc qu'on utilisera tout le temps en fait. Donc voilà. Et je vais vous montrer mes livres, mes achats. Donc là, je vous montre ce que j'ai acheté. J'ai acheté ça. Donc c'est mes comptines. Donc là, c'est un livre sonore. Donc c'est-à-dire pour les personnes qui connaissent pas. Donc déjà, il y a les comptines. Donc les musiques. Donc voilà. Il fait mal à la tête. Donc voilà, il y a juste à appuyer sur un bouton. Donc là, ici également, enfin voilà, ce bouton, et ça vous chante directement la comptine. Je trouve ça hyper bien. Donc voilà, ensuite j'ai acheté, donc ça c'est tout récent, petit ours brun se protège des virus. Donc voilà, bon après il comprend rien, mais il aime bien quand je lui lis des histoires. Donc voilà, je lui lis les histoires, je lui fais regarder un peu les images. Il regarde, il aime bien ça. Voilà. Ici, c'est des histoires pour le soir. Donc, il y a différentes parties. Donc, on va dire à chaque nuit, il y a une nouvelle histoire à raconter. Donc voilà, par exemple ici, Bonne nuit petit éléphant. Voilà. Ici... Bonne nuit petit lapin. Bref, à chaque onglet, vous avez une histoire à raconter. Donc voilà, donc ça c'est... Je trouvais ça aussi mignon. Voilà. Et également pour finir, histoire du soir. J'aime bien les histoires du soir. J'aime bien lui raconter, lui lire des histoires le soir. Donc pour les tout petits. Et là par contre, il y a vraiment beaucoup beaucoup de pages. Et franchement, c'est exactement ce que je voulais, donc c'est parfait. Donc voilà ce que j'ai acheté. Je vous montre également les montants. Par exemple, pour celui-ci, il a coûté 11,50 €.
Pour les comptines, c'est 10 euros. Pour les histoires du soir, c'est 12 euros. Et pour le petit ours brun, c'est 2,60 euros. Il y en a vraiment pas mal des petits ours bruns. Je pense en acheter plusieurs, donc c'est pas mal. Donc 2,60 euros, ça va. Donc voilà, tout ça, j'ai acheté chez Fnac pour les intéressés. Voilà. Dites-moi en commentaire, vous, si vous avez vraiment des livres pas mal, que vous aimez vraiment trop, que je puisse acheter et lui lire. Moi, je recherche des livres pour bébé, donc voilà. Dites-le moi en commentaire. Alors, là, on est le jour d'après. Donc, il s'est passé 2 jours environ après mon arrachement de dents. Franchement, incroyable. Bon, j'avais mal. Après, c'est pas les mêmes douleurs que quand ça poussait, heureusement. Mais c'était quand même gonflé. Franchement, j'ai eu un peu mal quand même. Enfin, bref. Du coup, là, je vais sortir. Je suis en train de me maquiller actuellement. Je vais acheter de l'eau, des légumes. Voilà. Je vais faire une vidéo aujourd'hui. Ah oui, je voulais vous dire aussi que là je commence un jeûne, donc c'est un jeûne de 14h, donc je vais pouvoir manger de 14h à 20h, voilà, et ensuite je vais plus pouvoir manger, donc là je mange pas, il est environ 10h, donc je fais tout ce que j'ai à faire le matin, comme ça au moins j'ai le temps libre pour m'organiser, pour faire ce que j'ai à faire. Et ensuite, je vais à 14h, je vais manger. Donc voilà comment je m'organise. J'espère que ça va marcher. Normalement, il n'y a pas de problème pour ça. Donc voilà, là, je suis en train de mettre mon trait d'eyeliner. On a l'impression que c'est un peu gonflé. Vous voyez un peu, non? J'ai l'impression que c'est un petit peu gonflé encore. Je sais pas. En tout cas, ça a beaucoup moins gonflé qu'avant. C'était énormément, je vous mets même une photo. C'était grave. Donc après mon soin de l'autre fois là, donc vous voyez bien que c'est bien brillant, hop, c'est bien brillant, donc franchement mon soin moi j'aime bien, là j'ai un peu, j'ai mis de l'huile de ricin parce que j'ai lavé mes cheveux, à ce niveau là vous voyez, parce que j'ai des petits trous, j'ai l'impression de perdre mes cheveux à cause de la chute des hormones. Du coup, je mets de l'huile de ricin. On va voir si ça fonctionne vraiment bien. Donc là, j'ai juste acheté de l'eau pour me coiffer. J'hésite à couper mes cheveux hyper courts, enfin pas hyper courts, mais mi-longs. J'ai envie de couper mes cheveux mi-longs, je trouve que ça fait beaucoup plus, ça fait beau en fait. Alors que moi ils sont très très longs et je sais pas. On verra la prochaine fois quand j'irai chez le coiffeur si je vais faire ça. En tout cas, j'ai bien envie, mais on verra. Bon, là, je suis prête pour aller acheter de l'eau.
J'ai pris mon petit caddie. Ma mère a acheté ça pour le bébé, donc Baby Sun. Il se présente comme ça. Il fait de la musique, donc c'est 0+. Je trouve ça hyper beau. Je trouve ça beau. Donc voilà les couleurs. Donc il y a pas mal de couleurs. Ça a l'air très confortable. On l'a pas encore ouvert. Peut-être que je vais l'ouvrir avec. Je vais vous montrer le résultat. Je sais pas du tout d'où sort la musique. On verra bien. Je vais le tester et je vous en dirai des nouvelles de ce petit achat. Donc c'est ma mère qui l'a acheté. Vous pouvez le trouver sur Amazon. Voilà. Donc voilà, là je viens de finir une vidéo. C'est Mickey. Je suis avec mon ami. Il est tout doux, il est tout grand. Il est énorme. Il est très confortable. Donc là j'ai fini une vidéo Disney. J'ai acheté pas mal de vêtements partout. Donc il y a Auchan, Disneyland. J'ai acheté pas mal de produits de chez eux. Pour bébé et du coup j'ai fait un haul dessus, donc n'hésitez pas à regarder ma vidéo pour les intéresser. Vous pouvez personnaliser beaucoup de produits Disney, j'aime vraiment beaucoup, et leur carton est hyper beau, regardez. Donc voilà, avec des motifs comme ça. Ça c'est un petit cadeau. Voilà comment ça se présente. J'aime vraiment beaucoup le carton. Il est hyper beau. Vous avez même un cadeau. Donc si vous achetez chez Disney Store. Donc hyper bien. Franchement je trouve ça très mignon. Donc voilà. Pour les idées cadeaux. Franchement c'est un bon truc à faire ça. Ensuite donc j'ai acheté également la Baby Move. C'est donc la Baby Move, la machine Baby Move avec le mixeur, avec la cuisson à la vapeur. Donc je l'ai acheté, je ne l'ai pas encore testé, il faudrait que je le teste un jour. Voilà, franchement je trouve ça hyper pratique. Donc j'ai lu quelques avis, j'ai demandé également à des mamans qu'est-ce qu'elles en ont pensé de cette machine là et j'ai eu pas mal de bons avis. Du coup je l'ai acheté et voilà. Donc c'est hyper bien même pour le mixeur. Donc à partir de 4 à 6 mois ils vous disent comment mixer, à partir de 6 mois et 12 mois comment mixer et à partir de plus comment mixer. Donc voilà, c'est vraiment en fonction. Vous pouvez également réchauffer le biberon. Je crois même vous pouvez stériliser même. Donc franchement il fait plusieurs choses en un. Donc pour les mamans c'est hyper bien, même pour moi ensuite par la suite. Donc ça va servir dans tous les cas. Après le montant il est à peu près à 170 euros il me semble. Après moi je l'ai acheté soldé. Donc soldé il est à 130 euros, 140 euros. C'est un investissement, mais ensuite il va vous servir pour tout le temps en fait. Donc voilà. Donc ça va tenir, donc c'est de la marque. Donc normalement ça devrait tenir. Il y a également des recettes, il me semble. J'ai regardé comme ça vite fait. Donc il y a également des idées recettes. Donc c'est bien. Donc là il est bientôt midi, donc je jeûne encore 2 heures. Il faut que je tienne. Je vais vous montrer ce que je vais manger. Donc je vais faire un repas, donc un repas déjeuner, et ensuite je pense manger vers 18h pour le repas du soir, et ensuite rejeûner de 20h à demain 14h. Voilà, donc n'hésitez pas à faire la même chose, comme ça on se soutient. Dites-le moi en commentaire si vous jeûnez également, si vous avez sinon déjà jeûné, si ça fonctionnait pour vous, dites-le moi en commentaire. Moi j'avais déjà jeûné auparavant et franchement ça avait bien marché. Donc voilà, ensuite j'ai également essayé de faire pas un jeûne mais un régime intense. Donc manger vraiment que de la viande grillée,
vraiment sec, donc sans sauce, sans rien. C'était hyper compliqué, mais franchement, j'avais énormément perdu. Mais après, quand tu arrêtes et que tu manges normalement, tu reprends très vite. Donc, faut faire attention à ça aussi. Donc là, je compte faire un jeûne, manger correctement, ne pas me priver absolument. Donc voilà, je pense que c'est mieux comme ça. On va commencer doucement. Donc surtout des légumes, c'est j'en ai envie. Donc heureusement que je mange des légumes et que ça me dégoûte pas. Parce que si tu n'aimes pas les légumes, c'est très compliqué. Donc voilà, et je vous dis à tout à l'heure. Donc là, je commence avec une tartine. Donc c'est un pain complet avec un petit peu de fromage de chèvre, comme ça. Et voilà, je commence à couper mon jeûne, enfin. Donc là, on est au dîner. Je suis en train de couper donc ça. Moi, j'appelle ça du cachet. Et ensuite, je vais me faire 2 œufs au plat avec un yaourt, donc du riz au lait. Et puis voilà, avec un morceau de pain pour le dîner. Donc voilà pour le dîner. J'ai pris 2 œufs. Donc ce que je vous ai montré, j'ai rajouté de l'herbe de province. J'aime beaucoup, ça fait un goût. Ça donne un goût et j'ai mis du poivre. J'ai également pris ça. C'est Activia sans sucre ajouté, pêche blanche, raisin sec. Je connais pas du tout. Je vais goûter, on verra bien. Voilà, bon app. Salut à tous, on est le jour d'après. Je suis actuellement en train de choisir ce que je vais manger dans toute la semaine, pendant toute la semaine. Donc voilà comment je m'organise. J'aime bien m'organiser comme ça. Je mets tout ce que je compte manger et pour ne pas réfléchir, être à court d'idées le jour J. Donc voilà. Je trouve que c'est une très bonne idée de faire ça. Et franchement, voilà. Du coup, je vais faire ça pendant un bon moment. Et du coup, je regarde sur Instagram pour avoir de l'inspiration. Du coup, je regarde sur Instagram, je vérifie, je mets ce que j'ai comme aliment dans le frigo. Donc là, c'est des crevettes et je regarde. Et ensuite, j'inscris directement sur mon petit planning. Voilà. À toutes!